League of Legends vers une possible sortie de Runin King en novembre, un développement prolongé. Pour rappel, Runin King sera le jeu solo de type RPG au tour par tour qui est lié à League of Legends que par son univers Runeterra. Développé par Airship Syndicate, les mêmes développeurs derrière Battle Chaser ou encore Drakensider Genesis, le jeu permettra aux joueurs de vivre une aventure en côtoyant les personnages bien connus du MOBA comme Miss Fortune, Braum ou encore Yasuo. Initialement, le jeu devait sortir début 2021, à peu près en même temps que Viego. Et si le roi déchu est bien arrivé dans la faille en début d'année, le RPG lui a été reporté. La cause est évidente, le studio n'a pas été épargné par l'épidémie et a donc accusé, comme tant d'autres, un retard dans ses projets. En novembre 2020, Riot Forge avait donc annoncé avoir repoussé la sortie du jeu courant 2021. Mais qu'en est-il du coup ? En septembre dernier, un leak de la base de données de GeForce Now affichait divers titres non disponibles au public, incluant le fameux RPG. Si les données sont exactes, alors Runin King devrait sortir le 16 novembre 2021. Même si on a terriblement hâte d'enfin mettre la main sur ce titre, on a tout de même de sérieux doutes. Le 16 novembre, c'est dans moins de 10 jours. Et Riot Games semble bien occupé avec Arcane et toutes les collaborations des événements qui en découlent. On pourrait aussi se dire que c'est l'occasion parfaite pour le studio de sortir un nouveau jeu. Tous les projecteurs sont braqués sur eux. Et ce mois de novembre, et il y a fort à parier que la sortie d'Arcane sur Netflix va potentiellement ramener de nouveaux joueurs sur le MOBA, ou sur une autre licence de Riot Games en tous les cas, et que tout ce tapage autour de la série en ferait l'outil de promotion ultime. Difficile donc d'établir la vérité de cette liste. Il y a probablement du vrai comme du faux, mais bien mal avisé celui qui essaierait de faire le tri dans toutes ces données. Il ne nous reste plus qu'à patienter et espérer que dans les prochains jours, un communiqué officiel de Riot Games nous annonce la sortie de ce jeu.